épisode 13 et 14. Donc c'est Danse avec le diable. Et vous allez comprendre pourquoi. Ah ouais, j'avais jamais vu ces techniques là, tiens. Enfin bref. Dis son nom. Ah, t'as 10 secondes. Dis son nom. Vergil. Vergil. Je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu as été assez stupide pour t'en prendre à moi. Mais je sais que cette fille tient beaucoup à toi. Donc j'imagine que toi aussi tu tiens à elle. Je sais également que tu collabores avec le Néphilim. Je veux le Néphilim. Tu veux la fille. Une vie en échange d'une autre. Intéressant. Intéressant. Mundus en sait encore moins que ce que je pensais. Il connaît seulement mon nom. Il ignore que je suis ton frère et un Néphilim. Elle a dû être forte pour ne rien dire. Ouais, elle a tenu bon. Mais on ne peut rien faire pour elle. Comment ça? Tu ne crois sérieusement pas que je vais échanger ta vie contre la sienne? Non, je dis pas qu'on devrait... Tu es mon frère et la clé de la destruction de Mundus. Non, je dis pas qu'on devrait faire cet échange. Il faut en proposer un autre. Kat contre sa maîtresse Lilith. Pourquoi Mundus s'inquiéterait du sort de cette putain? Parce qu'elle porte son enfant. Quoi? Comment tu sais ça? Quand j'étais à la tour, j'ai rencontré un démon nommé Phineas qui me l'a dit. Il servait notre père. Oui, je connais ce nom. C'est incroyable. Capturer l'enfant à naître de Mundus. C'est pile ce qu'il nous faut pour le faire sortir de son antre. Non, c'est pile ce qu'il nous faut pour sauver Kat. Dante, c'est de la folie. Tu risquerais le futur de l'humanité pour une fille? Kat a vécu l'enfer pour nous protéger. On trouvera un autre moyen de pression. Dante. Il n'est pas question de l'abandonner. Ouais, je vois ça. Très bien. Comme tu voudras, mon frère. C'est vrai qu'ils ont presque la même gueule. Voilà. Lilith, l'amante de Mundus, elle dirige un club très sélect en centre-ville. Sportif célèbre, fils à papa, banquier, ce genre de clientèle. Les substances démoniaques coulent à flot. Les pauvres types deviennent accros et finissent en serviteurs des démons. Hé, elle sera là ce soir. T'entres pas, mon vieux. T'es pas sur la liste. Ah ouais? Maintenant si. Maintenant si. Pic. Vous encule. Ouais. Oh bah là, voilà. Ça promet. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit? On s'amuse un peu avec lui d'abord. Oh. T'as pas mal, putain. Ouais.
Tiens, la musique et tout. Wouhou! Moi, je suis qu'à peine m'échauffer, hein, les gars, c'est un peu normal. Ta gueule, grosse pute! On peut dire ça, ouais. Pour cette pauvre petite fleur décharnée, dis-moi. C'est plus pour toi, Lilith. Alors ramène tes fesses ici. Ce serait avec plaisir, Dante, mais comment dire, tu n'es pas digne de moi. Non, mais t'as vu ta gueule. Bonsoir, mes belles créatures. Humaines ou autres, nous avons une surprise pour vous ce soir. Le nightclub se transforme en fight club. Le show le plus court. J'ai même pas eu le temps de lire. Vivez, défoncez-vous et faites vos jeux. Oui. Aïe. Oh oui. D'abord, moi je fais du bon. D'autres veut se mesurer à moi. Oh merde! Allez, hein, putain, j'allais l'achever quoi, putain. Putain, je vais péter ta gueule. Tu sais vraiment pas à qui t'as affaire, on dirait. Je meurs d'envie de savoir. Eh bien, faisons quelques petits changements. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Oh là là. J'ai créé cette petite épreuve spécialement pour toi, Dante. Je suis pas là pour tes petits jeux. Oh, c'est mon club ici, et on joue selon mes règles. Si tu le dis, beauté. Bon, voyons voir un peu. Objet, tu es une croix de diabolisme. L'homme, ça devrait déjà m'être utile. Putain, je suis coincé qu'à 40 ping. Oh. Ah. Quiche. Aurais-je entendu quelque chose d'intéressant? Ah, te voilà. Tu es libre désormais.
Que dois-je donc faire? Ah oui, c'est vrai, juste. Je crois que c'est ça. Le démon a un incroyable talent. Le démon a un incroyable... Oh putain! Non. Je regrette d'accorder une autre chance. Autrement dit, je m'occuperai moi-même de t'exposer la secrète. Si tu échoues, alors toi et ta petite pute, une parole que tu as en toi, les pouvoirs des enfers et du paradis. Voyons voir ce que ça donne. Ah d'accord, j'ai compris, donc passer les trucs rouges, les têtes de mort rouges avec les pouvoirs de démon pour ne pas tuer des dégâts, et ceux avec les crânes bleus avec le mode angélique. Hop, voilà. Commençons si tu veux bien. Le premier round devrait être du gâteau pour un homme aussi petit que toi. Oui. Ça, oh voilà. D'accord, donc ils envoient donc des carrés de couleur rouge. Puis des carrés de couleur bleue. D'accord, donc il faudra faire ça simultanément. Ah bah, à chaque fois, à chaque round gagné, hop, je dois sauter dans un téléporteur. Ah non, activer un téléporteur. Tu es toujours dans la course pour être couronné plus gros crétin des lindes. Ah. J'ai un bleu à présent. Putain. Mais ferme ta gueule, grosse pute. Être couronné plus gros crétin des limbes. Oui. Oui, beauté, c'est ça. Voyons si tu es hard. Tu as 30 secondes pour achever les misérables serviteurs. 30 secondes. Oh bah. Facile. Franchement, c'était nul. Mais la musique du Night Club est quand même pas mal. C'est déjà ça. J'ai pas tant à perdre avec ces conneries. T'es pressé? Ta copine souffre sous la torture. Ne t'inquiète pas. Quand on aura terminé avec elle, elle ne sortira plus bien. Connasse. Enculé. Bon, droite ou gauche? Je vais aller à gauche. Je me demande bien ce qu'elle fout dans la boule à facettes en fait. Par là. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre le chemin de droite en fait. Salut toi! Et voilà. Et de toute façon, j'ai ma joue de diabolisme plein si jamais j'ai besoin. Alors, c'est quoi le troisième round? T'es presque à mi-chemin. Qu'en dites-vous, mes chers fêtards? C'est quoi le but? Ah ouais, d'accord, ok, des carrés rouges à la verticale. C'était limite là. Ah, ça va être dans tous les autres, dans tous les sens. Ah merde! D'accord, ça va être une fois, une chose différente à la fois.
Merde, démon. Bon, démon. Ouais, fini mon rôle. Oh, que c'est beau! Ah, bah là. Félicitations. On dirait que le diable a du talent. J'avais jamais remarqué, donc 35 sur 40. Oh, c'est bien ça. Wow. Ok. J'aime bien cette araignée parce que chaque fois je les bute. Qu'est-ce que ça va être maintenant? C'est là que ça devient intéressant. Tu préfères qu'on éteigne la lumière? Oh. Tu as amené des petits bébés avec toi? Qui sont beaux avec leurs petits yeux rouges et tout, qui sont moches. On va tous cramer sous ma main. Oh. Déjà fini. Ah non, il en reste un. Ah non. Ouais, je m'en souviens très bien. Tu aurais la fermer, grosse pute. Tous tes commentaires sont vraiment illicites. Voilà. Ah, des points de vie, super. Plus j'avance dans Nike, plus j'ai la tête qui tourne. Ah non. Bah les gens. Oh, ça compte. Par où maintenant? Je commence à comprendre pourquoi on dit c'est fascinant. Non, c'est vrai. Il te veut mort, mais il cherche à satisfaire tous ses risques. Bah oui, c'est normal, t'es qu'une pute. Bon, ça, ça doit pas être compliqué. Hop là. Oh non. À toi. Ow. De l'avoir en faisant une esquive angélique, mais ça marche pas. Merde, j'allais l'envoyer en l'air, mais non, pas par ici. Merde, j'allais encore l'enchaîner, par ici. Aïe, pique, connard. Dégage avec tes cure-dents. Ah, j'ai raté. Hé, hey, pourquoi tu te casses, connard? Reviens ici. Enculé. Oh, rouge, bleu, orange, jaune. Ah, j'ai mal à la tête. C'est comme ça, piqué aux yeux, ces conneries.
Qu'est-ce que c'est beau. Oh, une bande d'arcade. Plus de bande d'arcade. Oh, c'est vrai que j'ai vraiment le secret. Juste une minute. Ah, je vois juste un peu de vie. Moi, ça doit être ça. Oh, les araignées sont toutes vertes. Ah non, dis pas ma mère. Tu vas crever, sale pute. Allez, fini de jouer. Cette fois-ci, je vais te casser ta gueule. Ah bah, on revient au nightclub. Vieux cul tout fripé, ici. Très bien. Très bien, mon petit. Ah non, elle est pas ta perruque. Immédiatement. Oh. Oh. Oh là. Qu'est-ce qu'il est? Ah moi t'as fait dit que je peux le voir. On va faire autrement. Ouais, c'est vrai. Ah. Voilà papa. Voilà papa. Des manettes pour le voir. Wow, Angélique et démon. Bon, on va faire autrement. Hein. Il est où l'autre? Ah. Et voilà. Je l'ai gardé spécialement pour ça. Barbie. Et voilà. 13ème épisode, c'est fait. Voilà. J'ai mal la tête avec toutes ces lumières là. 14 minutes. Pas mal. Ah, j'ai eu donc j'ai eu 3 âmes. Et j'ai eu un S. Pas mal, c'est déjà ça. Oh bon, on va continuer directement. La dernière danse. Qui dit dernière danse, donc veut simplement dire qu'on a un bot dans la gueule. Tutu, en original, je vais le mettre. Voilà. Tour, Barbie. Oui, c'est exactement l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Allez, bébé, faisons la fierté de papa. Oh. Oui, mon petit, c'est l'heure de s'amuser. Ah. Oh là, oh. Elle est encore souple, la grand-mère. Tu sais, je cherchais justement une occasion de me détendre. Oh, bon. Oh, oh. Oh. Oh là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oula. C'est quoi ce bazar là? Oh putain. Ça c'est une tête que seule une mère pourrait aimer. Oh, ce que c'est dégoûtant! Et voilà. Donc, apparemment, on a deux jauges de vie. Aïe! Attendez, allez. Voilà. Oh, oh, c'est. Oh putain, il est tellement. Aïe! Il est tellement énorme. Apparemment, les données et les algorithmes servent à rien.
Ah, qu'est-ce que c'est que ces boules sur le côté? Ah ouais, d'accord, corps à corps, après c'est pas. Ah. En vrai, je trouvais sa faiblesse. Ah, apparemment. Ça, un bébé. Je suis désolé, mais non, c'est trop fort. Ah bah. Bébé, ferme-la. Oh, oh, oh là. Ah, va-t-il vouloir me renvoyer un truc? Tu as raté ton coup. Apparemment, les gars sont plus gros et fermés, justement pour ne pas que je l'attrape. Bon, hein? Pas bien sauter là. Allez, allez. Ah. Même qu'il est à terre. Sa mère qui ressort. Ah, c'est dégoûtant. Ah oui, c'est vrai. Tu vas la tirer. Voir le nain. Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes plus une. Et toi, t'es encore plus moche. Allez, qu'est-ce qu'il va me faire? Allez, hop. Oh, merde.
Moi, je suis censé appeler. Merde. Merde, j'allais la voir. Comment elle crée son vie, c'est vraiment dégoûtant. Oh mon dieu, c'est moche. Tu m'as raté, ça y est. C'est chaud, c'est avec quoi, avec son bras là? M'a raté petit coup. Oh putain, je suis mort, sérieux? J'ai même pas surveillé ma barre de vie. J'étais trop à fond dedans. Bah, va falloir recommencer depuis le début. Hein. Il y a au moins 4 oeufs ce mec. Raté. Sa mère reste là avec les jambes en l'air là. Oh merde, je vais sauter plutôt que ça. Je vais faire des dégâts, tu peux prendre des dégâts comme ça. Oh putain. Merde, je croyais l'avoir eu. Merde. Bon allez, vas-y, tu me lances quoi? Tu me fais quoi? On te revoit. Wow. Oh!
regarde. Bon, là, si ça suffit. Des boss, c'est celui-là. Vous deux, c'est encore une autre chose, franchement. Allez, arrière toi, gros tas de graisse. Lève-toi. Je vais pas vous tuer, toi ou le gamin de Mundus. Du moins, à condition que tu fasses exactement ce que je te dis. D'accord. J'obéirai. Privé de ce gamin, je ne serai plus rien. Alors arrête de pleurnicher. Mission accomplie. C'est fait. Ça tourne. Merci de nous avoir contactés. Désolé d'avoir mis du temps à répondre. Suite à ton offre, je souhaite faire une contre-proposition. La vie de la fille... contre la vie de ton enfant. Ah ah ! Qu'est-ce que tu dis maintenant ? Ah ouais, d'accord. Bon, à mon avis, j'ai dû mettre au moins 40 minutes pour cet épisode, pour une fois. Ah bah voilà. Ah bah sur ce, laissez un petit j'aime, un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Donc sur ce, portez-vous bien. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, si jamais, donc il y aura de nouveau plus de vidéos de ruse, mais cette fois-ci elles seront différentes. Donc ça sera un peu comme celle du rush improvisé que j'ai fait. Disons plutôt le rush stupide, je vais dire entre guillemets. Disons que ce sera la même chose, le même style de vidéo, donc c'est-à-dire des sauvegardes d'archives refilmées grâce à Fraps, histoire de ne pas avoir de bugs déjà de 1, et de 2 pour pouvoir évidemment avoir, profiter du gameplay sans ramer ni rien. Sur ce, ciao tout le monde!